Salut à tous e soyez les bienvenus! Eu sou Elisa, do Avec Elisa, e você está aqui assistindo o meu canal no YouTube e ouvindo o meu podcast. Esse material vai para YouTube e podcast. Eu vou ler hoje para vocês o começo de uma das minhas peças favoritas. Não sei se você sabe, mas eu também tenho uma formação de atriz de muitos anos e por isso tenho uma paixão muito especial pelo teatro. E esta peça, que é de um autor francês, marcou a minha vida. O autor se chama Jean-Luc Lagarce. A peça se chama J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Eu vou ler para vocês o comecinho da peça. Então, se você está no podcast, fecha os olhos e só escute. Se você está no YouTube, aproveite para olhar os meus lábios, porque isso ajuda você a entender mais daquilo que você está ouvindo. Mas esse é um treino de escuta. Então, foque naquilo que você entende e não naquilo que você não entende. Esse é sempre o passo principal para você conseguir começar a entender cada vez mais a língua francesa. On y va? O personagem se chama Lenée. Lenée significa a filha mais velha, ou pode ser a irmã mais velha. Allez, on y va. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Je regardais le ciel comme je le fais toujours, comme je l'ai toujours fait. Je regardais le ciel et je regardais encore la campagne qui descend doucement et s'éloigne de chez nous, la route qui disparaît au détour du bois, là-bas. Je regardais, c'était le soir et c'est toujours le soir que je regarde. Toujours le soir que je m'attarde sur le pas de la porte et que je regarde. J'étais là, debout comme je le suis toujours, comme je l'ai toujours été, j'imagine cela. J'étais là, debout, et j'attendais que la pluie vienne, qu'elle tombe sur la campagne, les champs et les bois, et nous apaise. J'attendais. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Et dans ma tête encore, je pensais cela. Est-ce que je n'ai pas toujours attendu? Et cela me fit sourire de me voir ainsi. Je regardais la route et je songeais aussi, comme j'y songe souvent, le soir. Lorsque je suis sur le pas de la porte et que j'attends que la pluie vienne, je songeais encore aux années que nous avions vécues là, toutes ces années ainsi. Nous, vous et moi, toutes les cinq, comme nous sommes toujours et comme nous avons toujours été, je songeais à cela, toutes ces années que nous avions vécues et que nous avions perdues, car nous les avions perdues. Toutes ces années que nous avions passées à l'attendre, celui-là, le jeune frère. Depuis qu'il était parti, s'était enfui, nous avait abandonné. Depuis que son père l'avait chassé. Aujourd'hui, ce jour précis, je pensais à cela. En ce jour précis, je pensais à cela. Toutes ces années que nous avons perdues à ne plus bouger, à attendre donc. Et là encore, peut-être, je me mis une fois de plus à sourire de moi-même, de me voir ainsi, de m'imaginer ainsi, et de sourire ainsi de moi-même me mena vers le bord des larmes. Et j'eus peur d'y sombrer. Toutes ces années que nous avions vécues à attendre et perdues encore, à ne rien faire d'autre qu'attendre, et ne rien pouvoir obtenir, jamais, et être sans aucun autre but que celui-là, et je songeais en ce jour précis, oui, au temps que j'aurais pu passer loin d'ici, déjà, à m'enfuir. Au temps que j'aurais pu passer dans une autre vie, un autre monde, l'idée que je m'en fais, seul, sans vous, les autres là, sans vous autres, toutes, tout ce temps que j'aurais pu vivre différemment, simplement à ne pas attendre, ne plus l'attendre, à bouger de moi-même. J'attendais la pluie, j'espérais qu'elle tombe. J'attendais comme, d'une certaine manière, j'ai toujours attendu. J'attendais, je le vis. J'attendais, et c'est alors que je le vis, celui-là, le jeune frère. Prenant la courbe du chemin et montant vers la maison, j'attendais sans rien espérer de précis, et je le vis revenir. J'attendais comme j'attends toujours, depuis tant d'années, sans espoir de rien. Et c'est à ce moment exact, lorsque vient le soir, c'est à ce moment exact qu'il apparut et que je le vis. Une voiture le dépose et il marche les dernières centaines de mètres, son sac jeté sur l'épaule en ma direction. Je le regarde venir vers moi et cette maison, je le regarde. Je ne bougeais pas, mais j'étais certaine que ce serait lui, j'étais certaine que c'était lui.
Il rentrait chez nous après tant d'années, tout à fait cela. Nous avions toujours imaginé qu'il reviendrait ainsi, sans nous prévenir, sans crier gare. Il faisait ce que j'avais toujours pensé, ce que nous avions toujours imaginé. Il regardait devant lui et marchait calmement, sans se hâter. Et il semblait ne pas me voir pourtant, et celui-là, le jeune frère, pour qui j'avais tant attendu et perdu ma vie, je l'ai perdu, oui, je n'ai plus de doute, et d'une manière si inutile, là, désormais je sais cela, je l'ai perdu. Celui-là, le jeune frère, revenu de ses guerres, je le vis enfin, et rien ne changea en moi. J'étais étonnée de mon propre calme, aucun cri, comme j'avais imaginé encore, et comme vous imaginiez toutes, toujours, que j'en pousserais, que vous en pousseriez notre version des choses. Aucun hurlement de surprise ou de joie, rien. Je le vois marcher vers moi et je songeais qu'il revenait et que rien ne serait différent. Que je m'étais trompée. Aucune solution. Voilà! Então, se você achou muito difícil, escute várias vezes esse trecho. Eu vou te dar um mini resumo. Aqui, a moça, Lenée, portanto, está contando o momento em que, de fato, o irmão dela chega em casa, depois de muitos anos de espera. Espero que você tenha gostado. Merci beaucoup et à la prochaine!